Transition recevait ce matin l'ambassadeur de Turquie au Gabon. L'axe Libreville-Ankara a été largement évoqué par les deux personnalités. Bienvenue Miko, Fréjus Amike Kenza. Une poignée de main chaleureuse pour un entretien convivial. L'ambassadeur de Turquie et le vice-président de la transition ont discuté des opportunités de coopération entre la République de Turquie et le Gabon. Et nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon de nos relations bilatérales, et donc notamment en insistant notamment sur les questions économiques, donc sur le potentiel existant de coopération entre la Turquie et le Gabon, à la fois la coopération institutionnelle et la coopération au niveau du secteur privé. Aujourd'hui encore, les deux hommes s'emploient à soutenir la nouvelle impulsion, la dynamique de coopération sur l'axe Libreville-Ankara. Tout cela soutient les relations économiques. Mais plus généralement, donc la nouvelle impulsion donnée par les autorités de transition à l'économie gabonaise est porteur d'une coopération accrue avec la Turquie comme avec d'autres pays. Quand le Gabon se porte bien, automatiquement, bien sûr, ça accroît aussi les possibilités de coopération avec d'autres pays, de possibilités le climat, ça renforce le climat d'affaires et ce climat d'affaires est bénéfique pour tous. C'est un climat d'affaires gagnant-gagnant. Fondé sur un cadre institutionnel de coopération, le partenariat entre la Turquie et le Gabon s'intensifie au fil des contacts directs et permanents. L'accord de non-double imposition paraphé devrait contribuer à booster le flux des investissements